dark side. I wanna be your left hand man. Bon matin tout le monde! Aujourd'hui c'est un grand jour! Jaden a 6 mois. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 6 mois, Jaden? On commence à manger! Fait que là je suis en train de me maquiller, d'où j'ai juste mon fond de teint demi. Et dans le fond, je l'ai allaité, ça fait 45 minutes à peu près, je pense. Puis là, on a une portion de céréales, fait qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit d'en parler, là, qu'est-ce qu'on fait et tout. Tu peux te montrer le sachet? En tout cas, je vous montrerai le sachet après, là, mais dans le fond, aujourd'hui, comme j'ai reçu un échantillon, oh! Je sais pas si ça aurait dû être plus liquide, en tout cas. J'ai reçu un échantillon de céréales de riz, de la marque, c'est quoi la marque? Gerber. Fait que je me suis dit, on va commencer avec l'échantillon, hein, pourquoi pas, parce que dans le fond, ouais, il a l'air pressé, il tape. Fait que Anthony lui a déjà montré la bouffe. Fait qu'on commence avec ça, parce que c'est ça l'échantillon que j'ai eu, puis on va essayer les différentes céréales, donc ceux qu'on va racheter après, si je vais pas comme racheter les mêmes, parce qu'on peut essayer l'orge puis ces trucs-là. Fait que dans le fond, on va commencer aujourd'hui. Tu es chez la caméra? Ben oui, oui. On va commencer. Je sais pas si c'est assez liquide. En tout cas, on a suivi les instructions là. Je prends-tu une petite cuillère. Ah, mais là, on pourra pas prendre des photos en même temps. Ah, je prendrai les photos dans la vidéo, dans le fond. Ça te va? Hein? Il y a pas l'air ça. Tu le mets toi-même? Voilà, là, on va. Ah, on aurait dû mettre une bavette! Oh! Oh, il le met lui-même. Il y a tête la chute. On n'a pas mis une bavette! Faudra le changer après ça. Ok, bébé. On va t'en mettre d'autres. Attends, il veut pas me laisser l'enlever. Ah. Oh. Je veux juste têter la cuillère. Mais il prend les céréales. Et j'ai pas pensé. On n'a pas pensé à mettre une bavette. On change. Ouais, on va le changer. Bon, on entend Motel qui joue. C'est un gourmand. Il a l'air d'aimer ça. Bébé d'amour. Oh, ça va faire des belles photos. Ok, on va en mettre d'autres, bébé. Est-ce qu'on en met d'autres? Je vais juste garder la cuillère. Tiens, on va en mettre bébé. On va en mettre d'autres. Fait qu'on a ça, là, à peu près, comme quantité. Fait que. Mais là, ça se peut que ça soit bien trop, là. Il y en a qui donnent genre 3 cuillères. Oui, c'est oui, tout. On va lui donner comme qu'il y en voudra. Ok. Il met direct dans sa bouche. Tu as essayé de laisser manger lui-même un coup? Fait que, ben là, j'ai peur qu'il s'enfonce sous la cuillère. Ah non. Non. Je la tiens plus, là, en passant. Lui, je pense pas qu'elle reprendra, par contre, sa cuillère. Ouais, c'est sûr qu'elle reprendra. Regardez, avez-vous vu sa petite langue? Il y a une petite langue en cœur, Jaden. C'est vraiment drôle. On voit pas. Non? Ok, c'est pas grave. Bon. Va t'en donner d'autres, bébé. Il a fini quand même pas mal. Tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans? Encore? Oh, le jus d'elle. C'est bon? Il est trop cute! Oh! Il est d'amour! Cute!
capable. C'est trop cute. Je pense que j'ai déjà fini de manger. C'est papa qui a donné la bouchée, comme vous pouvez voir. Fait qu'on lui a donné. Ben là, pas toutes, là. Combien de cuillères? Je sais pas. Beaucoup. Quand même beaucoup. Ouais. Mmh. C'était bon. Miam. Regardez, bébé, il est rendu où? Hein? Je disais, regardez, bébé, il est rendu où? Il était là-bas. Il a décidé de mettre aux escaliers. Et on prend une pause? Allô, bébé. Allô, bébé. Fait qu'on est à la belle province. On est à la belle province. On va dîner avant d'aller aux pommes. Oh, lui, il veut prendre la caméra. Donc, on va dîner avant d'aller aux pommes. Donc, j'ai pris deux hot dogs puis une petite à partager. Moi, je prends des fois des hot dogs hors dress. Des fois, c'est juste quelque chose, mais là, ça va être hors dress. Fait que ce que j'ai mis sur les lèvres, si vous voulez savoir, j'ai mis ça parce que c'est vraiment confortable. C'est des lisoisiers. C'est l'éclat velouté. C'est le truc d'automne, là. Je sais pas si ça paraît, là. C'est une belle couleur. J'aime beaucoup. Ça fait quand même naturel. C'est ça. Fait que j'ai été retirer de l'argent pour les pommes parce que je paye tout le temps. Mais là, je sais pas si c'est bien. Fait que c'est ça. Fait que ça s'est bien passé, hein, la première journée avec les céréales. On arrive, puis ça a pris du temps, il y avait full trafic. Fait qu'on est à Saint-Joseph-du-Lac, puis c'est bien drôle parce que je textais Marie, puis elle était là aussi. Mais elle partait, mais pas à ce verger-là, mais un autre, là. Ok, on est au verger La Croix, puis c'est full, full! Fait qu'il y a avec Jaden, regardez, il y a partout. Tu sais pas qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va cueillir les pommes. Fait qu'on va acheter le sac pour cueillir. Anthony a grimpé dans l'arbre. Là, on est en train de prendre des. Ouais, ouais. On prend des quoi, là? Portland? Je pense que oui. Mais elles sont vraiment bonnes. Vas-y, Anthony. Anthony, lui, veut les pommes hautes. Oh. Inquiétez-vous pas, il casse pas l'arbre. Allô? Ok. Bon ben, Jaden est assis. Oh. Écoute-toi sur moi, mon amour. Il tombe un petit peu quand il est assis. Il s'amuse à arracher le gazon. Et Anthony cueille les Macintosh. Fait qu'on a pris Pépé. Il cueille ça vite. Parce que fini. Il montre le sac. Ouais. Il y a un petit peu de. Comment ça s'appelle la première? Kirkland? Non, ça c'est ce que je suis en train de cueillir là. Non. Oui, non, ok, il y a un petit peu de Kirkland dans le fond, puis maintenant c'est le Macintosh. Ouais. Regarde, il est assis tout seul. Bébé d'amour. Non! Non! Je pensais qu'il avait sa suce. Bébé! Oh non! Il a laissé tomber sa suce. Bébé, non. Là, ça marche pas. On va arrêter de filmer. Mets pas de gazon dans ma bouche. Non! Bébé d'amour. Bon, fait que Anthony. Je vais prendre une photo. Une autre fois ou. Ouais. Okay. On vient remplir le sac. Ben ouais. Fait que. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais que je vais faire ce soir une croustade aux pommes puis de la compote de pommes. Ouais, puis je vais faire un beurre de pommes aussi. Oh non, il a perdu son bas! Il dit Jaden est tanné. Un beurre de pommes! Bébé d'amour est tanné. Je l'ai enlevé de l'écharpe, là, il commençait à avoir chaud. Non, sérieux, il fait quand même chaud. Jaden avait soif. Fait que Karim allait au milieu des vergers de pommes. On était dans une section qu'on n'a pas le droit de cueillir pour avoir un petit peu de privacité. Ça se dit-tu? Intimité peut-être. Oh! Des géants muffins? De quoi tu parles? La chèvre. Ah, il va peut-être trouver ça sent bizarre. Une petite ferme. Des cochons. Je crois qu'il est là. Oh, mon Dieu. Il
peuvent aller dehors. Ah, Jayden! Ah! Oh non, je veux pas toucher. Anthony a été porter les pommes à l'auto là. Ouh, ça sent pas très bon. Anthony flatte les cochons. Pas vraiment touché. Non. C'est vraiment, c'est comme du cul. Ouais. Fait que là, on va chercher qu'est-ce qu'on va manger. On voit les slutch. Fait que là, il y a des slutch au jus de pomme, genre. Fait que ça, je pense que je vais en prendre une. Là-bas, il y avait les cidres. Il y avait la barre à papa. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ah non! Ça, hey, mon dieu, est bien moins long que tantôt. Elle est bien moins que les deux fois que je viens de passer. Fait que... beignet. Mon dieu, je sais pas quoi prendre. Qu'est-ce que tu veux prendre? Attends. Beignet. Donc, fait qu'on a pris, parce qu'il fallait trop goûter là, une poutine de... C'est des frites de courge. Des frites de courge. Fait que j'ai hâte de goûter à ça, puis la sauce, ça sent bonne, puis c'est le fromage qui est bon. Mirabelle. On a pris, dans le fond, c'était 4 beignets aux pommes, là. On a mis de la poudre sucre à glacer. Puis, Anthony a pris une liqueur et une slush au vrai jus de pomme et framboise. Ça va être très bon. Puis là, Jayden, il prend une petite pause à la table. Ça, c'est les beignets. Ils sont vraiment bons. Il y a comme une couche de pommes, là. Si vous vous demandez c'est quoi là-dessus, ouais. C'est... On a essayé de mettre du sucre en poudre, mais ça comme pas très bien marché. Ouais. Mais c'est bon. Tu filmes dans être proche. Mm. Toi, qu'est-ce que t'en dis de cette sortie, bébé? Bon, tout le monde, on est pogné dans le trafic parce que tout le monde a décidé que c'était le jour pour aller aux pommes. Non, mais pour vrai, dans ce coin-là, il y a vraiment plein de... Comment on appelle ça? Vergers. Plein de vergers. Puis c'est aussi dans ce coin-là que... Je pense que c'est dans ce coin-là que où qu'on va aller cueillir les citrouilles sont. Puis j'ai bien aimé la poutine de courge. Anthony, toi, c'est correct. C'est que moi, j'aime pas les courges, toutes les courges en général. Ouais, fait que, mais moi, j'ai aimé ça. C'est le goût, c'était différent, puis c'était bon avec. La sauce était bonne, puis le fromage était bon. Fait que quand on va cueillir des citrouilles, je sais qu'à la place qu'on va aller, il y a aussi peinture de courge et tout ça. Fait que. Jayden, il fait sa sieste, là, il était fatigué. On est resté quand même longtemps. Il est quelle heure, là, Anthony? Il est quand même 5 heures dans 10 minutes. Hey! Ouais, 5 heures dans 10 minutes. On sait ça, Karine, je l'ai dit. Moi, tu es juste attiré par la marde, c'est la station d'épuration. Ah! Si on voyait qu'il y avait plein de miettes. Fait que c'est ça, on est pas bien dans le trafic. Ce qui est plate, parce que ça va être long, là, se rendre à la maison. Puis, c'est ça. Jayden, au moins, il s'est endormi, là. Fait que. Parce que. Il est plus super dans l'auto maintenant. À cause de New Jersey. À cause de quand on a été dans New Jersey. Pour le retour, là, c'était vraiment long pour lui. Puis on dirait que maintenant, dès que c'est un petit peu long, là... Il perd ses pédales. Ouais. Mais là, il dort parce que c'est l'heure de sa sieste. Puis là, c'est vraiment bizarre. Il y a une beaucoup de mauvaises choses. Ouais. Il a grippé une corne de chèvre. Ouais. Puis il a mangé aujourd'hui. La dernière fois qu'il mange. Puis là, c'est vraiment bizarre parce que d'habitude, je l'allaite quand même beaucoup, Jayden. Quand même assez beaucoup, là, pour vrai. Des fois, c'est à chaque heure. Mais je le calcule pas. Parce que moi, j'allais, tu sais, quand que je vois Yixing, ben, la première chose que je fais, je lui propose le sein. S'il en veut pas, ben, il en veut pas, tu sais. Fait qu'il boit souvent. Puis là, aujourd'hui, il s'est réveillé. Hey, on n'a pas dit ça, hein, la nuit qu'on a passé, étrange. Ben, pas la nuit, mais c'est parce qu'il s'est réveillé, genre, à 5h du matin. Mais tu sais, lui, il se réveille vers 10h, 10h30. Il s'est réveillé à 5h du matin, je me suis couché à 3h du matin. Ouais. Lui, à 5h du matin, il s'est réveillé pour boire, comme d'habitude, mais il s'était couché comme vers 10h30, 11h. Puis, il était réveillé, là. C'était comme, c'est ma journée. Mais non, Jayden, c'est pas ta journée! Normalement, tu dors 5h de plus. En fin de compte, il s'est rendormi, mais après, il a rebu à 10h.
et demie. Après, il y a déjeuner, les céréales. Puis là, après, il y a juste rebu à 2 heures. Puis là, dans le verger. Là. Bref, il a bu 4 fois. Comme 5 heures, 10 heures. On a beaucoup été dans l'auto. Ouais. 2 heures, 4 heures. En tout cas, il a bu 4 fois. Je suis comme... C'est bizarre pour moi. Très bizarre. Je sens pas que j'ai mal, par exemple, mais bon. Tant mieux. Tout le monde, je voulais juste vous dire bonne nuit. J'avais oublié de conclure le vlog. C'est comme pas filmé en soirée, mais on n'a rien fait de spécial là. C'est ça, on se revoit demain. Puis demain, je pense que j'ai cuisiné pas mal de recettes avec des pommes.